Sacrifice humain, religion, avidité, guerre et torture ont tous joué un rôle dans la création et l'effondrement des empires d'Amérique centrale. Bandits ! Le Mexique est issu du croisement de cultures millénaires. Mon voyage va me mener sur les traces de civilisations préhispaniques détruites par les conquistadors, ayant des lieux marqués par la guerre d'indépendance, la révolution et la guerre civile. Bienvenue au Mexique, terre des conquistadors et des Aztèques, et de la tequila. Point de jonction entre les États-Unis et l'Amérique latine, le Mexique a longtemps été en proie à des conflits violents. À partir de Chihuahua, dans le nord du pays, j'irai à Zacatecas, la cité d'argent. De là, je poursuivrai vers le sud, en direction du site Toltec de Tula, avant de me rendre à Pátzcuaro et à Mexico, ville tentaculaire bâtie au-dessus de la grande cité aztèque de Tenochtitlan. J'irai ensuite à Cuernavaca, où s'installa le grand conquistador Hernán Cortés. Et pour finir, je visiterai le village magique de Tepoztlán. Joue pas avec moi, compris? Mon voyage commence dans les déserts du nord du Mexique. J'emprunte la route d'argent qui s'étend de Santa Fe aux États-Unis à Mexico. Elle a été construite pour faciliter le commerce de l'argent à l'époque de la conquête espagnole. Des Apaches, des conquistadors, des missionnaires, des meurtriers, des marchands et des colons ont emprunté cette route avant moi. Mon voyage va me permettre d'admirer la région, mais aussi de plonger dans son passé mouvementé. En Apache, Chihuahua signifie lieu sec et sableux. Cette région située au sud du Texas mérite bien son nom. Il ne s'y passait pas grand-chose jusqu'à ce que des explorateurs y trouvent de l'argent au XVIIe siècle et que des prospecteurs viennent en masse. Le sous-sol recelait des fortunes, mais pour une grande partie, elles ont été envoyées en Espagne. En 1810, après 3 siècles de domination espagnole, les citoyens nés sur le sol mexicain qui en avaient assez ont répondu à l'appel à la révolte lancé par le religieux Miguel Hidalgo. Un an plus tard, il a été capturé et exécuté ici même, à Chihuahua. Hidalgo a été détenu dans cette cellule pendant les 3 mois qui ont précédé son exécution. 10 ans plus tard, le Mexique gagnait enfin son indépendance. Sa dernière lettre a été adressée à ses geôliers, qu'il a remercié pour la façon dont il avait été traité. Il est aujourd'hui considéré comme le père de l'indépendance mexicaine. C'est une région de cow-boys ici. Je suis obligée de m'acheter un chapeau. Ça va? Il est bien? Pas trop? Non. Oui? Non? Il remonte peut-être un peu trop, hein? Je sais pas trop. Voilà, c'est le bon. J'aime la couleur, j'aime la forme. Je vais me protéger du soleil. Mademoiselle, combien coûte-t-il? 160. Merci. Avant de poursuivre plus au sud, je vais m'entraîner à mener un troupeau avec ma magnifique jument Juanita. Il y a près de 500 ans, quand Hernán Cortés a conquis le pays, il a lancé la construction d'hacienda pour fournir du bœuf et nourrir les colons venus d'Espagne.
Attraper du bétail sur des milliers d'hectares de terre demande beaucoup de techniques. Peu à peu, les haciendas se sont mises à se mesurer les unes aux autres au cours d'événements appelés charreadas. C'est devenu un sport national qui n'est pas uniquement réservé aux hommes. Dans les années 1800, le gouvernement a offert de vastes terres aux Mexicains de la classe moyenne pour qu'ils y élèvent du bétail et que le pays puisse s'étendre. Malheureusement, elles étaient déjà occupées par les Apaches, qui, de façon compréhensible, ont réagi avec hostilité. J'ai rendez-vous avec Pancho Rentaria, qui vit à Chihuahua depuis sa naissance. Il va me faire visiter une hacienda qui a été transformée en musée. Parlez-moi un peu de cet endroit. On l'appelle l'Hacienda Las Carolinas, ou Quinta Carolinas. Elle a été construite pour M. Luis Terrazas. Qui était-ce ? Eh bien, c'était l'homme le plus riche du Mexique à la fin du 19e siècle. À un moment donné, il a possédé plus des deux tiers de l'état de Chihuahua. À quoi ressemblait la vie dans l'Hacienda ? Les haciendas étaient comme des villes. La maison principale était réservée au propriétaire et à sa famille, mais il y en avait aussi d'autres tout autour pour les employés. Cette hacienda devait posséder entre 50 000 et 60 000 têtes de bétail. Pour s'en occuper, ils avaient besoin de beaucoup de monde. Bien sûr. Il fallait du monde pour travailler dans l'hacienda aussi. Qu'est-ce que c'était là-bas ? C'était les étables. Là, c'était pour les voitures. Là, pour les chevaux. Et en face, il y a l'église. Oh, magnifique. C'était un vrai village ? Une ville dans la ville. Donc, il possédait toutes ces terres ? Elles commençaient où ? Elles devaient commencer à 5 km dans cette direction. Et elles s'arrêtaient à 30 km de ce côté. Il était riche. Très riche, très riche. Les maraudeurs apaches attaquaient les haciendas et étaient ensuite traqués. Ces territoires, les quatre états, se sont remplis de mercenaires qui gagnaient leur vie en tuant des apaches. En tuant des apaches. Mais le véritable ennemi était la pauvreté. Elle a débouché sur l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire du pays, la Révolution. Le fossé entre les riches et les pauvres était béant. Une poignée de propriétaires de lignée espagnole possédaient la terre, tandis que leurs employés recevaient un salaire de misère. Un de ces hommes du peuple a connu un destin qui l'a propulsé au rang de héros national. Il s'agit de José Doroteo Arango Arambula, plus connu sous le nom de Pancho Villa. C'était une sorte de Robin des Bois. Il volait du bétail aux ranches de Luis Terrazas pour donner à manger aux pauvres. Grâce à ses coups de force, il est devenu très populaire au sein des populations modestes de Chihuahua. Et quand la révolution a éclaté en 1910, de nombreux partisans ont décidé de le suivre dans son combat contre le gouvernement. Son armée, la célèbre Division du Nord, a compté jusqu'à 40 000 hommes. Il attaquait des trains et dévalisait des banques pour financer la cause. Un contrat fut même signé avec Hollywood pour que ses batailles soient filmées. Mais le vent a tourné quand les États-Unis ont décidé de soutenir ses adversaires. Après avoir été l'ami des États-Unis pendant 6 ans, il les a pris en grippe. Il disait qu'il l'avait trahi. En 1916, il passe à l'offensive. Il a organisé l'attaque de la bourgade de Columbus au Nouveau-Mexique. Cet événement est considéré comme la seule invasion subie par les États-Unis au cours de leur histoire. Les États-Unis lancent le général John Pershing aux trousses de Pancho Villa avec pour mission de le ramener, mort ou vif. Mais il ne le trouvera jamais. En 1920, Villa se retire. Mais en 1923, il décide de reprendre la politique et se fait assassiner peu après. C'est la voiture qu'il conduisait quand on l'a assassiné. Son secrétaire se trouvait à ses côtés et 4 gardes étaient à l'arrière. Ils se sont fait tirer dessus de tous les côtés. Pancho Villa a reçu 16 balles. Qui l'a fait tuer ? Ce n'est pas établi officiellement, mais le gouvernement était impliqué. Il avait 45 ans quand il est mort. Il était jeune. C'est son visage, non ? Ouais. Quelques heures après sa mort, le consul des États-Unis à Parral a fait faire ce masque.
On peut voir l'impact laissé par la balle. Oui, je n'avais pas remarqué. C'est la seule balle qu'il a prise au niveau du visage. À l'époque, c'était courant de faire ça, pour avoir une preuve, mais aussi, d'une certaine manière, pour faire office de mémorial. Cette musique, c'est du folklore mexicain? C'est plus que du folklore. C'est une musique qui date de la Révolution. Les gens qui combattaient se déplaçaient beaucoup. À la nuit tombée, quand ils avaient le temps de se détendre, ils sortaient les guitares et jouaient ce qu'ils appelaient des corridos. Ces chansons racontent ce qui se passait pendant la Révolution. Quand on entend un corrido, on peut être sûr qu'il s'agit soit d'une histoire triste, soit d'une histoire épique, soit du récit d'une grande bataille. Bonjour. Une glace, s'il vous plaît. Mariachi puise leurs origines dans les régions rurales du Mexique. La tradition est venue des nombreux employés renvoyés des haciendas qui se mettaient à vagabonder à travers le pays en jouant de la guitare et en chantant en public pour gagner leur vie. Bravo! Merci! Merci! Je quitte Chihuahua et me dirige à présent vers la ville coloniale de Zacatecas. Elle est à la jonction entre les déserts du nord et les régions fertiles du sud. C'est ici qu'au XVIe siècle, les conquistadors ont réellement fait fortune. Pour commencer, je me rends à mon hôtel pour prendre un rafraîchissement et me reposer un peu. Des arènes du 19e siècle ont été reconverties pour donner naissance à l'un des hôtels les plus originaux du monde. À sa création, il a gagné le très convoité prix international d'architecture. Oh là là, tout ça pour moi? Ça, c'est une suite présidentielle. Regardez ça! Quel balcon! Avec vue sur la reine! Les conquistadors ont introduit la corrida au Mexique, et c'est à présent le sport national. La cathédrale est splendide. Il est temps d'aller visiter la ville. Au XVIe siècle, après la découverte de minéraux précieux dans les collines, Zacatecas est rapidement devenue une importante ville coloniale. Zacatecas est une ville magnifique. Mais ce qui a fait sa célébrité, c'est la découverte d'argent, il y a 450 ans. Des artistes locaux continuent de produire des articles en argent qui se vendent à travers tout le Mexique et dans le monde entier. Joli magasin. Voilà. Les techniques utilisées sont un mélange de savoir-faire emprunté aux premiers colons espagnols et aux Aztèques. À l'époque, est-ce que tout l'argent issu des mines était emporté en Espagne?
Pero también así como se llaman, yo creo que quedó muchísimo y es con lo que ahora empezamos a trabajar nosotros, con lo que estamos trabajando. Il dit que les Espagnols prenaient presque tout l'argent extrait dans la région. Malgré tout, les artisans de Zacatecas faisaient déjà des bijoux très intéressants. Au XVIe siècle, l'Espagne détenait environ 12 milliards d'euros en or et en argent, issus des territoires alors connus sous le nom de Nouvelle-Espagne. Ils ont permis à ce royaume européen d'accéder au rang de superpuissance. Je pars visiter la mine d'El Edén, qui a été exploitée pendant plus de 400 ans. Elle compte plus de 16 km de tunnel. Ramiro me sert de guide. Regardez cet endroit. C'était l'une des plus riches galeries de toute la mine. Elle était surnommée le ciel argenté. La production était de quel ordre? Ils extrayaient jusqu'à 5 tonnes de roche par jour. Et par tonne, ils obtenaient environ 7 grammes d'or et 320 grammes d'argent. Donc ça fait plus d'un kilo et demi. Pas mal. Pendant des siècles, les employés de la mine ont dû travailler dans des conditions abominables. Ils remontaient la roche à la surface, chargés comme des bêtes de somme. À une époque, 4 mineurs mouraient chaque jour. En 1550, 34 mines étaient exploitées. Ici, vous pouvez voir du quartz. C'est super. Là, on le voit bien. Voilà à quoi ressemble le quartz natif. Ils se moquaient du quartz, c'est pourquoi il est encore là. Ils ne s'intéressaient qu'aux minéraux précieux, comme l'or et l'argent. Ah, c'est pour ça qu'il y en a autant. Oui. Et ici, on peut voir de l'oxyde de fer. C'était ce qui leur permettait de savoir qu'il y avait du fer à l'intérieur. Et quand ils trouvaient du sulfate de cuivre, qui est de couleur bleu-vert, ça leur indiquait la présence d'argent à l'intérieur. L'étape suivante de mon voyage m'emmène sur le site de Tula. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont mis à bas des civilisations qui étaient là depuis des siècles. Tula est l'ancienne cité des Toltecs. Elle a été construite au milieu du 9e siècle, quand un groupe de chasseurs nomades s'est sédentarisé. Ces colonnes soutenaient un temple immense. Elles étaient tombées au sol, mais elles ont été redressées pour que les visiteurs puissent les admirer. Elles représentent Quetzalcoatl, un dieu pacifique qui était aussi le roi de Tula. Il a un papillon sur la poitrine et le soleil dans le dos. Moi, j'aurais bien aimé qu'il l'amène le soleil. Les Toltecs ont été au sommet de leur grandeur entre les années 900 et 1200, quand leur empire s'est étendu jusqu'à la côte pacifique, au Chiapas, au Guatemala, à la péninsule du Yucatan et à une bonne partie du nord et de l'ouest du Mexique. La première civilisation connue du Mexique est celle des Olmecs. Elle se serait développée dans les états actuels de Veracruz et de Tabasco entre 1200 et 500 avant notre ère. Elle ne doit pas être confondue avec la civilisation Maya, qui a connu son apogée entre 250 et 900 après Jésus-Christ. Leur empire s'étendait sur les états actuels du sud du Mexique. Quant aux Aztèques, ils ont régné sur la vallée de Mexico et ses alentours de 1428 à 1519, date de l'arrivée de Cortés et de ses troupes. Les Toltecs pensaient que les dieux leur donnaient la pluie et le soleil, qui permettaient à leur culture de pousser. En retour, ils leur offraient du sang. Le plus souvent, des nobles s'en taillaient la peau et se faisaient saigner. Mais quand une sécheresse survenait, ils procédaient à un sacrifice humain. Ce mur nous donne des informations sur les cérémonies toltèques. Le serpent qui dévore un crâne humain représente le cycle de la vie. Et il évoque aussi les sacrifices humains. Quand les Aztèques sont arrivés, ils ont poussé cette idée à son paroxysme. Je me rends maintenant à Pátzcuaro, sur les traces de l'ancien royaume Tarasque, connu pour avoir combattu les Aztèques et conservé son indépendance jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Les Tarasques sont réputés pour trois choses, la pêche, la guerre et l'artisanat. Les Tarasques travaillaient la pierre, le bois et le cuivre.
Au XVIe siècle, l'évêque Vasco de Quiroga découvrit leur travail et voua sa vie à leur venir en aide. Les artisans de cette région sont issus d'une longue tradition. Il dit qu'il travaille ici depuis 55 ans et qu'il en est ainsi depuis des générations. Votre père et votre grand-père faisaient la même chose? Toute votre famille, donc? Et il a transmis son savoir à ses enfants pour qu'ils restent dans la famille. C'est super. Bien que Vasco de Quiroga ait beaucoup fait pour aider cette communauté artistique, de nos jours, ce sont les sculptures religieuses qui prédominent. On m'a dit qu'il y avait une île superbe à visiter. Je dois prendre le bateau pour m'y rendre. C'est la bonne heure pour y aller. Le soleil se lève et les paysages seront magnifiques. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que les Tarasques étaient de redoutables guerriers capables de repousser les Aztèques. Contrairement à ces derniers, leur culture n'a pas laissé de traces écrites, mais leur tradition se perpétue. Depuis des siècles, les pêcheurs se servent de ces filets en forme de papillon pour sortir des petits poissons blancs du lac. Cette danse traditionnelle est pratiquée en l'honneur des poissons et des pêcheurs. C'est un rituel important. La plupart des habitants de l'île de Ranitio sont d'origine indienne. Ils se battent pour que leur culture survive. Je suis le poisson de la danse du poisson. La danse a lieu au pied d'un monument érigé en hommage à l'un des héros de l'indépendance mexicaine. Bon. Ça, c'est une statue de José María Morelos. C'est l'une des grandes figures nationales mexicaines, car il a combattu pour l'indépendance de 1810 à 1815. La statue mesure 40 mètres. Les plus courageux peuvent grimper jusqu'à son point, en passant par l'intérieur et profiter d'une vue magnifique sur le lac. J'ai passé une journée formidable sur l'île. J'ai adoré la pêche au filet papillon. Qui aurait pu imaginer qu'il se servait encore de ce type de filet? Et le poisson était délicieux. J'ai apprécié chaque minute. Maintenant, je vais rentrer tranquillement à l'hôtel, en musique apparemment. Super! C'est mon nom! J'adore le Mexique! À présent, direction la capitale, Mexico, à environ 1h30 de route. Mexico est une mégapole pleine de vie qui s'agrandit en permanence. Sa population tourne autour des 20 millions d'habitants et elle accueille 2000 nouveaux arrivants chaque jour. Son économie prospère en a fait l'un des plus importants centres financiers d'Amérique et la 8e ville la plus riche du monde. Well, you would-
Ça peut surprendre, mais Mexico a sa petite Venise. On peut se promener en bateau sur ses canaux, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec ma guide, Coral. Je crois que c'est elle. Bonjour Judith, ça va? Oui, très bien. La légende veut que le dieu des Aztèques, Huitzilopochtli, leur ait dit de parcourir le monde jusqu'à ce qu'ils trouvent un aigle posé sur un cactus, en train de manger un serpent au bord d'un lac. Sacré programme. Mais 200 ans plus tard, ils l'auraient trouvé ici, sur les rives du lac Texcoco. Les Indiens qui les avaient précédés sur les lieux avaient élaboré une méthode ingénieuse pour construire des îles ou faire pousser leur culture. Cette chinampas était construite en plaçant d'immenses paniers de boue et de plantes dans le lac. Les racines se développaient et rejoignaient le fond du lac. Et donc, ça évitait d'avoir trop d'eau qui pénétrait, car il y avait des racines et d'autres choses. De la terre ? Voilà. Et comme ça, ils ont créé des îles. Les Aztèques ont repris cette méthode pour construire les fondations de leur cité. Après 2 siècles et demi d'efforts, Tenochtitlan était une fascinante métropole, dotée d'une population de plus de 200 000 habitants, soit 4 fois celle de Londres à la même époque. Depuis cette ville, les Aztèques ont étendu leur empire jusqu'au golfe du Mexique et à l'océan Pacifique. Tout cela à partir de quelques chinampas sur un lac. Malheureusement, cette tribu guerrière s'était fait de nombreux ennemis qui ont profité de l'arrivée des Espagnols en 1519 pour se venger. La principale cause de la défaite des Aztèques, c'est que beaucoup d'Indiens se sont battus contre eux. Au lieu de s'allier aux Aztèques pour affronter les envahisseurs, les Indiens ont soutenu les Espagnols. Cortés et ses conquistadors ont été abasourdis par la beauté de cette ville construite sur le lac. Les Aztèques vénéraient de nombreux dieux. Au milieu de la ville se trouvait le Templo Mayor, dédié à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, et à Tlaloc, dieu de la pluie et de l'agriculture, deux de leurs plus importantes divinités. Les Aztèques pensaient qu'en échange de bonnes récoltes, ils devaient offrir du sang à la terre, et que pour maintenir l'ordre de l'univers, il fallait procéder à des sacrifices humains. Ces pratiques avaient déjà cours avant eux, mais ils leur ont fait prendre une ampleur inédite. À une époque, plus de 2000 personnes étaient sacrifiées au Templo Mayor en l'espace de 4 jours. La ville baignait dans le sang. J'ai rendez-vous près d'une église voisine avec Elizabeth Bacuedano, une experte de la civilisation aztèque. C'est un peu sinistre comme endroit. Oui, c'est vrai. Pourquoi y a-t-il autant de crânes ici? Ce n'est qu'une sélection de crânes, issus d'une offrande déterrée dans les années 70. Beaucoup de ces crânes ont été trouvés empalés sur une structure de poteaux en bois. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de nombreux crânes sculptés dans la pierre. Ils évoquent les idées de vie et de mort qui étaient au cœur de la pensée aztèque. Ils symbolisaient le continuum entre la vie et la mort. On peut voir l'importance que revêtaient les ossements. Ils évoquaient la permanence. La plupart des sacrifiés étaient des personnes qui avaient été capturées au cours des guerres. Les guerriers victorieux étaient autorisés à garder les longs os et à les exhiber pour mettre en avant leurs prouesses, leurs victoires. Les grandes divinités étaient mises en scène. Certaines victimes étaient spécialement choisies pour les représenter. Pouvez-vous nous décrire le déroulement de ces sacrifices humains ? Le rituel était très élaboré. Ce n'était pas quelque chose qui sortait de nulle part. Tout était planifié. Bien souvent, la cérémonie commençait tôt le matin, avec la lumière de l'aube, de la musique, des tambours, des fleurs, des parfums d'encens.
C'était une affaire très sérieuse. Les gens portaient des tenues de circonstance. Les futurs sacrifiés étaient emmenés jusqu'au sommet de la pyramide, où ils rejoignaient la plateforme sacrificielle. La victime était placée sur la pierre, pendant que quatre prêtres la tenaient, un pour chaque membre. Un cinquième prêtre tenait un couteau d'obsidienne avec lequel il ouvrait la poitrine de la victime avant d'extraire son cœur et de le placer dans un récipient qu'ils appelaient le vase de l'aigle. Ensuite, venait un autre rituel. La victime était décapitée et son crâne était placé sur les poteaux. Ensuite, le corps était jeté en bas des escaliers où il était ramassé et donné à celui qui l'avait capturé. Le captif était en quelque sorte la propriété de celui qui avait réussi à s'emparer de lui sur le champ de bataille. Les sacrifices ne se limitaient pas aux adultes ou aux prisonniers de guerre. Des enfants aussi étaient offerts aux dieux. L'enfant était placé ici. Et forcément, il pleurait. Ses larmes étaient vues comme des présages de pluie. Vraiment ? Plus il pleurait, mieux c'était. Face à ces rites, les prêtres espagnols ont jugé les Aztèques terriblement barbares et se sont employés à les réformer. Les Espagnols ont forcé la population à vénérer leurs dieux. Pour y parvenir, ils se sont attelés à la destruction des villes et des temples aztèques, sur le site desquels ils ont construit leur propre cathédrale. Le message était clair. Après la mort du roi aztèque Montezuma, Cortés a asséché le lac pour construire de nouveaux palais et de nouvelles églises. Mais au fil des siècles, le poids de la religion se fait sentir. On voit que ce bâtiment se tord. C'est parce que la ville s'affaisse. En l'espace d'un siècle, certaines parties de la ville se sont enfoncées de plus de 9 mètres. Montezuma tient enfin sa revanche. Le Mexique est à 90% catholique, mais bien souvent une fusion s'est opérée avec les vieilles croyances indigènes. Le Mercado Sonora, le marché des sorciers, est l'endroit rêvé pour les amateurs de potions et de sortilèges. Quand ils tombent malades, beaucoup de Mexicains viennent d'abord ici, plutôt que d'aller directement chez le médecin. Je suis en quête d'un élixir d'amour et je pense que je suis au bon endroit. Vous avez quelque chose pour l'amour? Des potions, des gris-gris? Qu'est-ce que c'est? C'est un colibri, un vrai, qu'ils ont enfilé sur une ficelle. C'est censé vous apporter chance et amour. C'est pile ce que je veux. Les colibris sont des symboles d'amour, de dévouement et d'honnêteté. Les populations locales en mettaient déjà dans leurs maisons avant les Aztèques. J'en prends un. Il coûte 30 pesos, environ 2 euros. Je pense que ça les vaut. À ma quête suivante. Ça sert à quoi, ça? C'est donc pour attirer dans votre vie des gens qui ne veulent pas de vous, pour qu'ils soient attirés par vous. Elles vendent aussi des poupées pour se débarrasser des gens dont on ne veut pas dans sa vie. C'est super. On met une photo de la personne concernée ici, on écrit son nom complet et on procède à l'oration. On lit à voix haute la sorte de prière qui est écrite ici. Et c'est censé attirer ou vous débarrasser de la personne. C'est super! Pour contempler toute l'histoire du Mexique en un seul endroit, il faut venir ici au Palacio Nacional. Le peintre mexicain Diego Rivera y a réalisé plusieurs fresques qui mettent en scène l'histoire du pays, de sa naissance jusqu'au XXe siècle. Depuis les années 1920, la majorité de la population mexicaine était illettrée. Le gouvernement avait besoin d'un vecteur pour promouvoir les idéaux de la Révolution. Il a demandé à ce que de grandes fresques soient réalisées à travers tout le pays pour enseigner l'histoire du Mexique à son peuple.
Diego Rivera a passé 10 ans à peindre ici 3 fresques géantes. La principale se trouve en haut de l'escalier et aborde tout, des Aztèques à la Révolution, en passant par les conquistadors et l'indépendance mexicaine. Le plus important pour Rivera était de mettre en avant l'histoire préhispanique, car pendant des années, la simple idée qu'il y ait pu y avoir une culture avant l'arrivée des Espagnols avait été passée sous silence. En 1950, il a reçu commande d'un projet à réaliser ici, dans le parc de Chapultepec. Cette immense fontaine en mosaïque est dédiée à Tlaloc, dieu aztèque de la pluie et de la fertilité. Autrefois, l'endroit était le lieu d'entrée cérémoniel de la rivière Lerma, qui alimentait la ville en eau. Rivera a conçu la fontaine pour être contemplée d'en haut. Sans doute s'agissait-il de son offrande personnelle à Tlaloc. Les fresques soulignent l'importance de l'eau en tant que source de vie du peuple mexicain. Elles ont été restaurées en 2010 pour 1 200 000 euros et sont considérées comme des œuvres majeures de Rivera. Diego Rivera n'est pas le seul Mexicain à s'être tourné vers le passé pour trouver un sens de l'identité nationale. J'ai rendez-vous avec Gabriel pour parler d'un chien. L'animal en question fait le lien entre Mexique moderne et antique. Ce sont des chiens de quelle race? Des Xolotzcuintli. Xolotzcuintli? Xolotzcuintli. Xolotzcuintli, c'est pas facile. Je sais, oui. Et depuis quand y en a-t-il ici? Depuis 2500 ans, avant les Aztèques. En plus d'être d'excellents chiens de compagnie et de chasse, ces chiens nus mexicains, l'autre nom des Xolotzcuintli, étaient considérés comme sacrés par les Toltecs, les Mayas et les Aztèques. Ils pensaient qu'ils accompagnaient et protégeaient l'âme de leur maître lors du voyage vers l'autre monde. Beaucoup d'ossements d'humains ont été retrouvés enterrés avec des Xolotzcuintli de céramique. Ils accompagnaient les gens qui n'avaient pas les moyens d'être enterrés avec l'un de ces chiens. Cette présence témoigne de leur importance dans la société aztèque. Pourquoi faites-vous l'élevage de ces animaux? Eh bien, vous voyez, j'aime la symbolique qu'ils incarnent de nos jours dans la culture mexicaine. En particulier dans la peinture, car Frida Kahlo et Diego Rivera avaient ce genre de chien. C'était des artistes mexicains très influents et très célèbres. Il faut savoir que beaucoup de Mexicains qui sont portés sur les traditions anciennes aiment posséder un de ces chiens, car ils ont l'impression que ça les rapproche de leur culture. Oui, c'est ça. C'était super de vous rencontrer, Gabriel, et de faire la connaissance de ces chiens charmants et très originaux. Tout le plaisir a été pour moi. La cuisine mexicaine doit aussi beaucoup à sa période préhispanique. Les marchés de Mexico en témoignent. Les Espagnols ont découvert de nombreux aliments ici, comme le piment, la tomate ou encore l'ananas. Ils vendent toutes sortes de mollets ici. Ils sont assez particuliers car la sauce est à base d'épices et de chocolat. Le chocolat tient une place à part au Mexique, car la fève de cacao en est originaire. Les cabos de cacao servaient de monnaie aux Aztèques. Ils les ouvraient, retiraient les fèves, les remplissaient de boue. Et pour eux, ça devenait de l'argent. La place Garibaldi est réputée pour ses mariachis. Contre quelques pesos, les couples viennent ici pour écouter un concert. Mais entre les différents groupes, la compétition fait rage pour attirer l'attention. Une des choses merveilleuses au Mexique avec les mariachis, c'est que l'amour est omniprésent. C'est génial. Thank you.
C'est vrai? Comment il sait ça? Oui, personas y personajes de muy lejos los lugares, es la hora de saber cómo se desarrolla esta historia. ¿Cómo hice todo eso sobre mí? Que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Les mariachis ont gagné en importance dans la capitale au XXe siècle, quand l'exode rural a poussé des ouvriers agricoles qui étaient aussi musiciens à venir s'installer ici. Ils ont intégré de nouveaux instruments et de nouvelles influences musicales, comme la polka ou la valse. Les mariachis font désormais partie intégrante de la culture mexicaine. Le bus pour me rendre à Tepoztlán, où les descendants des Aztèques parlent toujours la langue de leurs ancêtres. Il faut compter environ une heure pour se rendre là-bas et 108 pesos, soit 6,50 €. C'est bon marché. Sur le trajet, je fais une halte à Cuernavaca, surnommée la ville du printemps éternel, en raison de la douceur de son climat et de sa luxuriance. Depuis plus de 200 ans, cette région est l'une des destinations préférées des Mexicains pendant l'été. Même les empereurs aztèques s'y étaient fait construire des palais. Tout comme un célèbre conquistador qui, en 1529, fut enfin récompensé pour sa victoire sur les Aztèques. C'est ici qu'Hernán Cortés a fait construire sa résidence familiale, après avoir offert de vastes territoires à la couronne d'Espagne. Les Aztèques avaient construit des temples dans toute cette région. Cortés a détruit la pyramide qui s'élevait ici et utilisé ses pierres pour bâtir sa demeure. Ce palais est resté dans la famille de Cortés pendant près de 200 ans, avant de servir de caserne et de prison pendant la guerre d'indépendance. À présent, c'est un musée. Je me dirige maintenant vers la dernière destination de mon voyage. Je suis dans la ville de Tepoztlán. Il y a 1200 ans, c'est ici qu'est né Quetzalcoatl, le dieu pacifique des Aztèques. J'ai l'impression qu'on me suit. Encore des musiciens! Il y en a qui me suivent partout où je vais! Mais c'est magnifique! Encore une chanson sur moi. Jolie sérénade. Des gens d'ici m'ont invité à venir découvrir leur cuisine traditionnelle. Ainsi qu'Alberto, une célébrité locale. Bonjour Alberto, ça va? Très bien. Merci. Bienvenue. Moi c'est Judith. Je m'apprête à goûter des plats et des boissons dont la préparation n'a pas changé depuis plus de 1000 ans et qui sont servis à presque tous les repas. Je vous présente Catalina. Elle prépare des tortillas. C'est un incontournable de la cuisine mexicaine, un aliment de base. Elles sont faites uniquement avec de la farine de maïs et de l'eau. C'est très simple. Je peux en faire une? Je prends de la pâte? D'abord, il faut pétrir. Je ne suis pas trop sûre de mon coup. Elle reste coulée à ma main. Voilà ma tortilla. Une prochaine fois.
C'est un four à bois et elle les met simplement au-dessus. Ça cuit combien de temps? 2 minutes, c'est tout? De chaque côté? 2 minutes de chaque côté, c'est très rapide. De la farine de maïs, de l'eau, un peu de chaleur, 2 minutes et le tour est joué. Ça a l'air bon. C'est prêt. Alberto, j'ai fait des tortillas. Vous pouvez être fier de moi. Et qu'est-ce qu'on boit? Du pulque. Qu'est-ce que c'est? C'était la boisson de nos ancêtres, les Aztèques et les Mayas. Ils en produisaient partout dans les montagnes. Elle a des vertus médicinales. C'est très bon pour la santé. C'est fait à base de quoi? D'agave. C'est de la même famille que la tequila et le mezcal. C'est à peu près la même chose. Et donc, c'est une boisson ancestrale? Oui, c'est une boisson traditionnelle. Santé! Santé! Goûtons ça. Ça sent bon. Ça rappelle la tequila. Santé! Oh, c'est très bon. Ça ressemble presque à du cidre. Du cidre doux. Santé! Cul sec! Alberto m'emmène en haut de la montagne pour visiter une pyramide construite au 15e siècle. Il faut compter 2 heures pour y accéder. Alberto a fait cette marche.